Donc, bonjour, je m'appelle Benjamin, je suis assistant de gestion et business développeur chez Numix. Nous sommes experts en pédagogie digitale immersive. Nous accompagnons les entreprises dans la création et la digitalisation de leur formation. C'est-à-dire que en fait, nous construisons des expériences immersives et digitales innovantes en utilisant diverses technologies comme la réalité virtuelle, la réalité augmentée ou la réalité mixte. Ça fait 6 ans que nous existons, on est basé proche de Toulouse et nous créons aussi des parcours de formation uniques, ludiques et gamifiés grâce à des modules d'apprentissage en ligne comme des serious games, du motion design ou encore du e-learning. Notre ingénierie pédagogique nous caractérise particulièrement puisque c'est ce qui nous permet d'être reconnus aujourd'hui et d'avoir de belles références comme EDF, Enedis, Airbus, on travaille aussi avec l'aviation civile, des groupes comme Yves Rocher ou encore le groupe Lacoste. Donc, le Ridge est pour nous l'événement idéal pour montrer notre expertise, échanger avec de nouveaux partenaires et des acteurs sur le territoire suisse, ayant des besoins en matière d'innovation et de formation. Donc, nous travaillons déjà justement avec un client industriel en Suisse. Et donc, c'est pour nous la suite logique de notre démarche export que nous réalisons d'ailleurs en collaboration avec Business France et la Team France Export. Alors, quelques-unes de nos formations phares déjà déployées dans de nombreux centres de formation en France, comme un simulateur d'intervention sur un réseau de distribution électrique que nous avons réalisé par exemple pour Enedis, ou encore un simulateur de passage de crue sur barrage hydroélectrique que nous avons réalisé pour EDF. Mais bien sûr, nous aurons aussi de vraies nouveautés, donc comme une formation immersive au démarrage de pompes industrielles, une formation immersive sur des nacelles sur porteur, ou encore un simulateur de fuite de gaz en milieu résidentiel. Et je ne peux évidemment pas tout dévoiler tout de suite, mais il y aura aussi quelques surprises.